Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, en réalisant une nouvelle viennoiserie, les craquelins, spécialité de Noël. C'est parti, on réalise un pâton de pâte levée feuilletée. Mon pâton ici est toujours à 3 tours, comme d'habitude. Et on va l'étaler entre 2,5 et 2,75 mm d'épaisseur. Donc là, je vais couper une chute. Donc pour réaliser le craquelin, on va réaliser une bande. Une bande entre 2,5 et 3 cm de large. Environ une trentaine de centimètres de longueur. Ça, c'est à votre guise. Ensuite, je vais prendre la bande avec les deux mains et je vais torsader comme ici. Et ensuite, je viens former un 8 tout en soudant vers le milieu, comme ici. Donc après, on va mettre à pousser. Donc tous vos craquelins, n'oubliez pas de les retourner pour avoir la clé en dessous. Sinon, ça va s'ouvrir. Je voulais vous faire aussi un petit rappel. J'avais fait un partenariat avec le site Igral. Donc Igral, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai mis la vidéo en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer dessus pour aller voir comment ça se passe. Donc Igral, ça vous permet de gagner de l'argent tout en commandant sur certains sites comme Sephora, je crois qu'il y a Auchan, il y a plusieurs supermarchés, il y a plusieurs sites d'à peu près tous les styles. Vous pouvez trouver votre bonheur pour finir vos cadeaux de Noël et tout ça. C'est fortement intéressant, moi-même j'y suis et ça me fait gagner énormément d'argent. Énormément, c'est une façon de parler quand même. Donc ici je vais mettre à pousser, donc n'oubliez pas de mettre un film, là je vous l'ai pas fait voir mais j'ai mis un film et je l'ai laissé pousser pendant 2 heures, 2 heures et demie, à température ambiante, et ça donne ce résultat là. Ensuite on va réaliser une dorure, donc avec un œuf, une petite pincée de sel, on bat bien le tout, et on vient dorer nos craquelins. Donc pendant ce temps, j'ai allumé mon four à 175-180 degrés pendant environ 15 minutes à peu près, quand on va les enfourner. Donc voilà, tous mes craquelins sont poussés, tous les craquelins sont dorés et je les enfourne. Et 15 minutes plus tard, ils sont sortis du four. Donc on va bien le feuilleter de notre pâte. Nickel, impeccable. Donc la recette de la pâte levée feuilletée, j'ai mis le lien de la vidéo à laquelle j'avais réalisé justement cette pâte. Vous avez juste à cliquer en dessous pour vous y rendre. Donc ici j'ai réalisé un sirop à 30. Donc un sirop à 30, c'est 100 ml d'eau avec 100 g de sucre que je fais bouillir, je laisse refroidir et ça donne ce résultat. On peut même y mettre un peu de vanille si vous le souhaitez, ça donne un petit goût supplémentaire dessus et une brillance. Donc ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais parce que ça donne un petit truc en plus. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera sur la galette des rois, un peu spéciale, vous verrez, avec un parfum qui n'est pas très commun pour une galette. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Donc, tous les liens sont mis en barre d'infos, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site, vous retrouverez toutes les recettes que vous pouvez voir sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!